Rendez-vous 8h, place de la mairie du Carbet, pour la journée de sensibilisation contre le moustique vecteur du Zika, l'Aedes aegypti. Nous, la ville du Carbet, le service environnement, nous participons à cette journée contre le moustique parce que chaque année, nous sommes disons, en collaboration avec l'ARS pour pouvoir informer, sensibiliser la population, mais aussi les écoles, pour qu'ils puissent être sensibilisés, mais aussi qu'ils puissent prendre conscience qu'il faut faire des gestes au quotidien, des gestes au quotidien pour lutter contre le moustique. Alors, ils écrivent des mots de sensibilisation pour pouvoir s'accaparer de cette problématique en Martinique concernant les moustiques. En Martinique, depuis le début de l'épidémie décembre 2015, 27 800 cas de recensés, dont 302 de femmes enceintes. Des chiffres que tentent de stabiliser les volontaires du service civique de l'ARS et de la CTM. Nous, en tant que VSC, nous faisons des visites domiciliaires. Ce serait que lorsqu'on arrive chez quelqu'un, on voit que tous les fûts soient recouverts, qu'il n'y ait pas de larves chez les gens. C'est ça notre objectif principal. Malheureusement, oui, c'est commun, c'est courant. On arrive, on voit des gens avec des fûts non couverts. C'est une triste réalité, mais c'est une réalité. C'est pour ça que l'on passe chez les gens, on repasse, etc. De manière à ce que ça rentre dans les habitudes des gens. Pour le conseil municipal junior de la ville, sensibiliser leurs jeunes administrés de manière ludique semble nécessaire. Nous avons fait un quiz avec des questions, vrai ou faux, et les enfants doivent répondre. Il y a aussi une sorte de memory, il faudra trouver la maladie qui va avec le moustique. On a aussi fait les tâches à faire pour nettoyer, par exemple, nettoyer les gouttières, tout ça. Donc, il doit croître les bonnes réponses. Je pense que c'est plus facile pour eux d'accueillir des connaissances par rapport au virus Zika, car en faisant quelques jeux, ils peuvent retenir plus facilement que de lire des papiers. Pour Brice et Mathis, éviter la prolifération de ce moustique passe par le respect de certaines consignes de prévention. Ça nous a apporté plus d'informations et ça nous a apporté ce qu'il faut faire en cas de d'intrusion de moustiques. Donc faut porter des vêtements qui sont longs, faut protéger les fuites d'eau, des choses comme ça. Et il y avait aussi des moustiques qui datent de l'époque des dinosaures. Le quiz était très bien. Ce que j'ai retenu aussi dedans, c'est que les réserves d'eau peuvent être partout dans la maison, donc il vaut mieux enlever tout ce que vous pouvez, nettoyer vos gouttières et avoir le moins d'eau possible dans une maison. Comme quoi, la vérité sort de la bouche des enfants.